Avec en moyenne 6 enfants par femme, la population burkinabé pourrait franchir la barre de 60 millions en 2050. Cela pourrait avoir un impact négatif sur le développement économique du pays. Et pour éviter une telle situation, la planification familiale vient comme la meilleure solution pour maîtriser la croissance de la population. Et dans la promotion de cette pratique, l'Union des religieux et coutumiers du Burkina Faso pour la promotion de la santé et le développement veut jouer sa partition. Yacouba Gamine, Relouende Céline. La campagne nationale de communication 1 million de voix pour la santé de la reproduction et la planification familiale au Burkina Faso marque un arrêt à coup de goutte pour des plaidoyers auprès des leaders religieux et coutumiers. Il s'agit de susciter leur engouement pour une procréation responsable au sein des communautés. Les leaders religieux et coutumiers ont un rôle fondamental à jouer quant à amener les fidèles, quant à amener les membres des différentes communautés à adopter des comportements qui soient favorables à l'acceptation et à l'utilisation des services de planification familiale. Les leaders religieux et coutumiers, conscients de leur rôle dans la promotion de la santé de la reproduction, sont favorables à la planification familiale, cependant avec des réserves. La Bible ne nous dit pas de limiter les naissances, mais pour espacer, pour bien gérer. Les méthodes qui sont à caractère d'avortement et tout là, ça, l'Église évangélique n'est pas d'accord. Le condom, nous pouvons l'appliquer strictement dans le cadre du mariage. La campagne nationale de communication sur la santé de la reproduction et la planification familiale se déroule sur la période de janvier à mars 2016. Les questions sur les grossesses précoces et non désirées ainsi que les avortements clandestins seront également discutées.